De sa vie, il a écrit cette chose. C'est son dernier texte. Il est mort très peu de temps après l'avoir fini. C'est une drôle de forme, c'est hybride. Certains ont dit que c'était une pièce radiophonique, moi je ne sais pas. Je constate que ça s'appelle en sous-titre A Play for Voices, une pièce pour voix. Il y a donc des voix qui racontent la vie d'un petit village au Pays de Galles, le village où il vivait, une journée de ce village. Et puis apparaissent des personnages qui existent. Nous qui vivons à l'ombre du Bois Lacté, mais fait que nous voyons un jour de plus, pour que nous voyons un jour de plus, mais fait que nous voyons un jour de plus, pour que nous voyons un jour de plus, mais fait que nous voyons un jour de plus, pour que nous voyons un jour de plus, mais fait que nous voyons. Pour commencer par le commencement, ces nuits de printemps sans lune dans le petit bourg, sans étoiles et noires de Bible, dans les rues aux pavés ronds silencieuses, et dans le bois bossu, bois des amoureux et des lapins, qui boitille imperceptiblement jusqu'à la mer noire prunelle, lente, noire, noire corbeau, agitée de bateaux de pêche. Et tous les habitants du bourg apaisés et apesantis dorment pour l'instant. Les jeunes filles gisent, mollement alitées, ou glissent dans leurs rêves avec anneaux et trousseaux, suivis de vers luisants pour demoiselles d'honneur, dans les bas-côtés du bois résonnant d'orgue. Les jeunes filles seules dans leur chambre, dans la chambre secrètement nuptiale, se poudrent et se bouclent pour la danse du monde. Elles prennent devant leur miroir des poses, tantôt hautaines, tantôt approchées donc. Pour les jeunes gens qui dehors adossés au coin des rues attendent dans le vent pour les siffler au passage. Ce truc, enfin ce texte-là, c'est un peu mon... Ça fait longtemps que c'est un peu mon serpent de mer, le truc vers lequel il faut que j'aille un jour. Appelle les garçons Gaulis, Rotel Charivari. Les garçons autour de moi, tous en rond. Chacun de vous embrassera Gwenny à l'endroit qu'elle vous dira, ou bien lui donnera un penny. Vas-y, Gwenny. Embrasse-moi dans la lueur, groseille, sinon tu me donneras un penny. Dis-moi d'abord comment tu t'appelles. Billy dans. Je suis fou de cette Gossamer Vinan. Il dévale la colline en chialant, avec sa culotte rapiécée qui tombe, et ses joues en feu éclaboussées de larmes. Les triomphantes pigrièches hurlent, les serres crispées sur ses boutons arrachés, et leur brute de frère le hue, lui crie son sobriquet, et la honte de sa mère, et les infamies de son père avec les luxurieuses femmes faciles qui vivent nu-pieds dans les masures des collines.
Rien de tout cela ne signifie rien. Et il réclame à grands cris sa laiteuse Momo, sa soupe aux poireaux, et son lait battu, et sa caillebotte, et ses gâteaux gallois, et ses bras dodus comme un lit aux senteurs de couche, clair comme une cuisine au clair de lune. Il n'oubliera jamais, et il patauge à l'aveuglette vers la maison au bout d'un monde de larmes. Et puis surtout, je voulais parler, revenir, et là je reviens au début quand même, je voulais parler de Bob Dylan, de Rimbaud, parce que Dylan Thomas, il se moquait de lui-même en disant qu'il était le Rimbaud gallois de Coomdun Queen Drive, c'est sa rue. Ouais, je voulais parler de ces gens-là, quoi, et de la musique. Quand les gars des fermes, les jours de foire, descendent des collines pour rire et pour boire, bien avant le couchant, dans leurs bras je m'étendrai, et de leur solitude les consolerai. Après-midi ensoleillé, bail et musarde dans le bourg assoupi, la mer paresseuse clapote et se prélasse, des poissons endormis en son flanc. La paix dominicale sur les prés, les taureaux frangés aux yeux clos, les vallons pleins de chèvres et de pâquerettes sont dans l'heureuse fainéantise de la sieste, de la sieste. Muette, les mares aux canards somnolent, somnolent. Les nuages s'affalent en oreillers sur la colline de Lierguen. J'avais 11 ans, j'étais un bon élève au collège. Je m'intéressais beaucoup à la littérature. Et puis, j'ai écouté des musiques, j'ai écouté les Beatles, les Stones et Dylan. Et ça a changé ma vie, complètement, radicalement. Et puis, à cause de les Beatles, les Stones, Dylan et tout le reste, hein, Vem, les Kings, et par extension plus tard, Hendrix, Joplin, Pink Floyd, etc., etc., j'ai lu dans Rock & Folk que Robert Zimmerman avait pris le pseudo de Bob Dylan en hommage à un poète gallois qui s'appelait Dylan Thomas. Et c'est comme ça que j'ai lu la première fois des textes de Dylan Thomas. J'ai trouvé ça pas mal. On a partagé la même fille une fois. Elle s'appelait Mrs. Probert. Rosie Probert, 33 allée des Canards. Montez donc, les gars, je suis morte. Albert Pomeroy Jones. Rose Peter, qui vous a flanqué une bouteille sur la tête. Né à Mumbles, chantait comme une linotte, tatouée de sirène, une soif de Marie Salope, mort de cloque. Cette tête de mort près de votre oreille, c'est... Bevan le Frisé. Dites à ma tante que c'est moi qui ai mis au clou sa pendule en or moulu. Oui, oui, Frisé. Et dites à ma femme que non, je n'ai jamais... J'ai jamais fait ce qu'elle a dit. J'ai jamais... Si, ils l'ont fait. Capitaine 4, sommeil et voyage. Anneau à l'oreille et houleux. Je t'aime, Rosie Probert, tatouée au ventre. Il se bagarre à coups de bouteilles cassées dans la fumée de Babel des sombres bars des docks. Roule sa bosse avec un troupeau de filles de brève joie dans tous les ports où l'on paillarde.
et il s'enlace et se cuite avec des mortes noyées et mamelues. Il pleure tout en naviguant dans son sommeil. Dans ce golfe et dans ce havre, les flottes par douzaines ont jeté l'ancre pour le petit paradis de la nuit. Mais elle ne parle qu'à Captain Cat, endormie. Mrs. Probert. De l'aller au canard, Jack. Tu fais coin-coin et tu demandes Rosie. Quelle mer as-tu vu, ma tour, ma tour? Quand tu naviguais autrefois, quels animaux marins habitaient l'onduleuse verdure quand tu étais mon maître? Je te dirai la vérité. Des mers aboyantes de lions marins, des mers bleues et des mers vertes, des mers couvertes d'anguilles, de tritons et de baleines. Après, bon ben, après le temps a passé. Ça c'est la constante, le temps qui passe. Mais c'est comme son truc au fond, parce que c'est une journée. C'est pas que de ça, c'est il y a une journée qui passe quoi. D'où c'est que tu tiens ce nez, Lily? De mon père, grosse bête. Il a posé la tête en bas. Oh, tu parles d'un blaire. Regarde le teint que tu as. Oh non, regarde-toi. Faudrait te farder un peu. Faudrait mettre une voilette. Oh, tu parles d'une séduction. D'où c'est que tu tiens sourire, Lily? C'est pas tes oignons, ma fille. Personne ne t'aime, c'est ce que tu crois. Qui c'est qui t'aime? Dirais pas. Enfin, pourquoi je raconte tout ça? Bah si, c'était pour juste dire, je sais pas comment dire, s'il y a une chose que je veux monter dans ma vie, c'est ça, quoi. Un nommé Tom, qui était haut de 6 pieds et fort comme 6 hommes. Et j'ai connu un type appelé Dick, aussi large et épais qu'une grosse barrique. Et j'ai connu un gars du nom de Harry, des trois le plus gai et le plus hardi, mais le seul que je voulais. Et ce village qu'il raconte, qu'il écrit à partir du village où il vivait, c'est en fait l'utopie d'un lieu où toutes nos tares, nos rêves et nos désirs pourraient coexister, cohabiter. Et c'est un hymne à la vie, au printemps et au désir. Et surtout, quand je regarde les feuilles, je pense au petit Willy dans son petit cercueil. Oh, Tom, Dick et Harry étaient de beaux gars. Et jamais personne ne m'aimera comme ça. Mais le petit Willy, oui, c'était lui que j'aimais. Il me prenait sur ses petits genoux et me berçait. Louons le Seigneur, nous sommes un peuple de musiciens.